Bonjour et bienvenue sur Harmonia, mon nom est Anna. Bienvenue ici si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et bienvenue de retour si on se connaît déjà et que vous pratiquez déjà avec moi. Aujourd'hui, je vous ai préparé une pratique toute spéciale en cette fin d'année. On est le 24 décembre 2023. Si vous terminez cette fin d'année, vous sentant un petit peu peut-être en déséquilibre ou instable ou ne sachant pas trop ce qu'il en est de la suite, c'est vraiment une pratique parfaite parce qu'on va travailler sur le chakra racine, vraiment le chakra de base qui vient stabiliser tous les autres chakras, ce centre énergétique, et c'est une pratique qui vous permettra de vous réancrer, de revenir à vous et de vous sentir essentiellement en sécurité, ce qui n'est pas évident par les temps qui courent. Et donc si vous vous sentez un petit peu peut-être aussi en questionnement intérieur sans trop savoir vers où aller pour la suite, hein, c'est la fin d'année, on commence à se projeter, à lancer à faire des vœux, des intentions, etc. Eh bien c'est une pratique qui pourra fortement vous aider pour venir vous reconnecter à votre matière, à votre corps, en traversant, donc on va beaucoup travailler ici sur les pieds, les jambes et jusqu'à ce centre énergétique du chakra racine pour venir, comme un arbre en fait, vous enraciner et vous sentir à nouveau en sécurité avec ce droit d'exister, avec le droit d'être pleinement vous, présent ici et maintenant. Donc j'espère que cette pratique vous aidera. Laissez-moi un like et surtout un commentaire en fin de vidéo pour me partager comment vous vous êtes senti. Si vous êtes prêt, je vous donne rendez-vous sur le tapis. Le bloc est une option, c'est un plus si vous en avez, tant mieux, sinon vous n'en avez pas forcément besoin. C'est parti! On va commencer debout sur notre tapis, pieds largeur des hanches, les bras relâchés le long du corps, paumes des mains ouvertes vers l'avant, épaules basses, les yeux fermés. Et on va se plonger à l'intérieur de notre corps, de nos sensations, à travers notre respiration. Inspire, expire calmement par le nez. Et sens tes pieds en contact avec le sol, avec le tapis. Imagine comme des racines qui poussent de tes pieds, qui traversent le sol et qui rentrent dans la terre, en direction du centre de la terre. Des racines qui grandissent, qui vont chercher de plus en plus bas, à gauche, à droite, qui s'étendent et qui viennent te donner cette stabilité au niveau de tes pieds. Ressens cet ancrage, cette énergie qui vient de la terre-mère et qui contacte ton corps à travers tes pieds et puis en remontant tes chevilles, tes jambes, jusqu'à ton chakra racine, ce centre énergétique au niveau de ton plancher pelvien, de ton périnée, tout au bout de ta colonne. Très bien. Reste ici, respire, ressens cette énergie circuler, relâche tout doucement les mains et viens bouger les orteils d'un pied, les dérouler au sol, faire des cercles dans un sens et dans l'autre et venir sentir le contact de tes orteils avec le tapis. Change de pied, n'hésite pas à garder les yeux fermés et à vraiment ressentir tes orteils pleinement en contact. Change de sens. Respire, reste connecté à tes sensations. Reviens le poids sur tes deux pieds et viens marcher sur place. Venir te repousser au sol, basculer d'un pied à l'autre. Venir sur les demi-pointes. Dépose un pied, encore pousse, dépose.
Essaye de trouver ton équilibre. Essaye de faire ce mouvement avec les yeux fermés. Et ressens ce qui se passe, comme si tu pétrissais le sol. Ressens cette stabilité de tes jambes. Et confiance en ton corps. Très bien. Reviens sur tes deux pieds. Dépose tes mains sur tes hanches. Et viens maintenant sur les deux demi-pointes à l'expire et inspire, dépose tes talons au sol. Trouve ton équilibre. Tu peux aussi essayer de le faire avec les yeux fermés, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est faisable. Et confiance, et connecte-toi pendant toute cette pratique à ce mantra, ce fil rouge de « tout va bien ». Tu es en sécurité. Ressens cet ancrage, cette connexion avec la terre à travers tes pieds, tes jambes et ton chakra racine. Très bien. Relâche un instant, respire. Et puis viens écarter tes pieds. Orteils à 45 degrés, on va descendre en déesse. Trouve ton ancrage. Prends une grande inspire, allonge les jambes, les bras. Expire, fléchis. Inspire, va chercher le ciel. Expire, va chercher la terre. Ressens cette force dans tes jambes. Cet ancrage, encore une fois, ces racines qui traversent le sol à travers les pieds. Et cette énergie qui remonte de la terre à travers tes jambes. Très bien. Dernière fois, reste en bas, allonge tes bras, paume des mains vers le sol. Et ici aussi, on va venir décoller un talon et puis l'autre. Essaye de garder la tête au même niveau et juste travailler à partir de tes jambes, tes pieds. Expire, décolle, inspire, dépose. Tu peux aussi venir déposer tes mains sur tes hanches. Très bien, relâche tes bras et rajoute des mini pompages, petits mouvements avec les jambes. Respire bien. Le dernier, reste en bas et relâche le haut du corps. Ramène tes orteils vers l'intérieur, pieds parallèles. Et relâche complètement ta tête, rajoute quelques mouvements de va-et-vient, des oui, des non, pour décompresser le dos. Ensuite, attrape tes coudes et fais des mouvements de balancelle avec tout le haut du corps. Crée cet espace entre les vertèbres, les genoux restent fléchis, respire, relâche. Très bien, ramène tout doucement tes pieds et viens en malasana ou yogi squat, genoux écartés. Tu peux prendre ici ton bloc pour avoir le dos bien droit, rester bien face. On va venir déposer une main sur le bloc ou sur le tapis, bloquer une jambe et inspirer, aller chercher le ciel avec l'autre main. Le regard suit le mouvement, reste ici dans cette torsion. Et respire, expire, relâche. Et on va changer de côté à l'inspire et reste. Grandis-toi. Repousse-toi du sol avec la main du sol et va chercher le ciel avec l'autre main. Et relâche. Très bien. Ramène les pieds, largeur des hanches. Si tu as un bloc, je t'invite à venir déposer tes mains dessus. On va venir relâcher le haut du corps, genoux fléchis. Restez quelques instants ici. Et puis marchez sur place. À l'expire, allonge une jambe, pousse le talon dans le sol. Inspire, change de jambe. Expire dans l'extension, dans l'étirement. Inspire, relâche. Viens pétrir le sol. Travaillez tes pieds en contact avec le sol. Travaillez tes racines, ton ancrage,
le tronc de notre arbre. Très bien. Relâche. Et puis on va faire un exercice de respiration, les deux mains bien au sol, donc genoux généreusement fléchis, tête relâchée. À l'inspire, tu vas allonger ton dos, allonger les jambes, expire, tout relâcher. Inspire, expire, inspire, expire. Encore deux, un, et relâche. Très bien, fléchis les genoux et tout doucement déroule vertèbre par vertèbre. Prends ton temps ici, la tête se redresse en tout dernier. Et seulement quand tu es prêt, prends une grande inspire, ajoute les bras, étire-toi. Expire, ramène les mains au cœur et reste. Recentre ton énergie, reviens. À la verticale. Grande inspire, va chercher le ciel. À l'expire, bascule le haut du corps, dos plat. Tu peux également fléchir les genoux et déposer tes mains sur tes cuisses. Tirer le sommet du crâne, loin des hanches. Reste, respire. Dernière inspire, expire, relâche. Dos rond, genoux généreusement fléchis. À l'inspire, bascule en chaise. Le haut du corps vient se redresser, poids dans les talons. Expire, redresse et relâche. Inspire, on repart. Expire, viens en table, beau dos plat. Cœur ouvert, coccyx rentré, abdos aspirés. Relâche, à la prochaine, expire. Inspire, bascule en chaise. Sens cette puissance dans tes jambes, reste. Expire, redresse. Relâche, inspire, on repart, on s'étire, expire, table, reste plusieurs respirations, expire, relâche, inspire, chaise, assieds-toi sur une chaise imaginaire, vois bien tes orteils, expire, redresse, relâche les mains, c'est reparti, inspire, redresse. Expire, dos long. Prochaine expire, relâche tout vers le sol. Reste et prochaine inspire, viens en chaise. Expire, redresse, relâche les bras. Grand inspire. Et ici, à l'expire, tu vas enrouler vertèbre par vertèbre, relâcher tout ton haut du corps vers le sol, fléchir les genoux, rester quelques instants ici, décompresser une dernière fois toute ta colonne, et puis venir t'asseoir sur le tapis en tailleur. Prendre quelques instants ici, on va venir déposer une main dans l'autre, au niveau du chakra racine, donc à la base de notre colonne. Fermez les yeux, épaules basses. Et venir poser ton attention à cet endroit-là de ton corps. Visualise la couleur rouge, qui est la couleur de ce chakra, dans cette partie de ton corps, au niveau de ton périnée. Et respire au niveau de ce chakra. Ancre-toi, visualise que cette lumière se répand dans ton bas-ventre, en contact avec la terre. Et reste ici, reviens à ton mantra. Tout va bien, je suis en sécurité. Pose tes mains sur tes genoux et viens dessiner des cercles avec ton bassin. Basculer ton poids arrière, côté, avant, côté, comme si tu faisais du hula hoop.
avec un hula hoop imaginaire. Fais partir ce mouvement de la base, de cette zone du chakra. Change de sens de rotation. Les épaules basses, la mâchoire bien détendue. Imagine que tu laisses une empreinte d'encre, un cercle au sol. Très bien, et tout doucement, reviens au centre. Et on va partir sur les côtés. Tu vas décoller un ischion et puis l'autre. En gardant ton dos bien long, imagine un faisceau lumineux qui sort du sommet de ton crâne en haut et en bas, qui sort de ce chakra racine en direction du sol. Garde ce bel axe sans le casser et bascule ton poids d'un fessier vers l'autre. Et reviens. Reste quelques instants, ressens ce qui se passe. Place tes deux mains derrière toi, grandis-toi, ouvre ton cœur. Et grand inspire, bascule vers un côté en gardant tes deux ischions bien ancrés au sol. Reste ici quelques respirations, le cœur ouvert. La colonne allongée, le regard redressé. Inspire, reviens milieu, expire, relâche ce bras et change de côté. Inspire, étire, trouve ta position et reste. Très bien, prochaine inspire, tout doucement redresse. Expire, relâche ton bras. Et puis viens à quatre pattes à l'arrière du tapis, pieds joints, genoux joints. Et viens t'asseoir sur tes talons ou sur ton bloc, allonger tes bras, chercher loin devant et déposer ta tête au sol ou sur ton bloc également. Ensuite écarte tes genoux largeur du tapis et reste ici quelques instants en posture de l'enfant. À l'expire, redresse-toi et reviens à quatre pattes de rond. Inspire, creuse pour t'asseoir en enfant. Expire, dos rond, quatre pattes. Inspire, creuse, viens t'asseoir sur tes talons. Pose ton attention sur ta colonne. Dos rond, dos creux. Et sur ton bassin. Sur ton coccyx, qui est rentré dos rond et pointé vers le ciel dos creux. Une dernière fois. Et puis reste une fois que tu es un enfant et redresse tout doucement. Rassemble tes genoux, rassemble tes pieds, viens sur tes orteils. On va venir étirer les orteils à nouveau. Poser notre attention sur nos pieds. Redresse-toi et reste ici. Peut-être ajoute tes micro-mouvements de bascule pour venir masser tes orteils. Et puis ramène tes mains au cœur, épaules basses. Trouve ton équilibre et peut-être viens en équilibre. Et puis on va venir toucher le sol avec les genoux et venir en équilibre. Touche, redresse, touche. Redresse. Cherche un point de focus devant toi avec tes yeux. Garde ton du corps stable, allongé. Et viens chercher cette force au niveau de tes pieds, ton bas du corps. Cette connexion avec la terre, encore et toujours. Relâche tes bras en équilibre si tu sais. Et joins ton pouce et ton index en Chin Mudra. Allonge tes bras et concentre-toi sur cette posture d'équilibre. Très bien,
Relâche tout doucement, dépose tes genoux. Relâche tes pieds. Prends quelques respirations. Peut-être fais quelques cercles avec les épaules pour relâcher le haut du corps. Ouvrir. Une dernière fois. Et puis viens t'asseoir. La jambe droite allongée. La jambe gauche fléchie. Le pied placé à l'intérieur de ta cuisse droite. Allonge ton dos grand. Inspire. À l'expire. Flex ton pied droit. Pousse le talon dans le sol. N'hésite pas à fléchir le genou. Et puis relâche ton haut du corps par-dessus cette jambe. Viens attraper ton tibia ou peut-être ton pied. Peu importe jusqu'où tu peux aller. Essaye de garder ton bas du dos allongé. Trouve la position qui te convient. Et sens cet étirement le long de la jambe droite. Reste, respire. Reste bien connecté à ta respiration. Inspire, expire par le nez. Et autorise ton haut du corps à se détendre millimètre par millimètre, à se rapprocher du sol, du tapis, de la terre. Reste et respire, tu n'as rien d'autre à faire. Tout va bien, tu es en sécurité. Repousse-toi du sol, redresse-toi. Et on va changer de côté. Allonger la jambe gauche, placer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Grand inspire. Expire, bascule le haut du corps. Flex le pied du sol. Et relâche le haut du corps. Reviens à ta respiration, trouve le confort dans l'inconfort de cette posture et autorise ton corps à relâcher millimètre par millimètre au rythme de ta respiration et à l'aide de ton souffle. Peu importe où tu es, à quoi ressemble cette posture pour toi. Laisse aller ton corps en direction de la terre-mère. Et reviens à cette idée, à ce mantra que tout va bien. Et que tu es en sécurité. Tout doucement, viens te redresser, te repousser. Allonger tes deux jambes, un pied vers chaque coin du tapis. Et faire des mouvements d'essuie-glace pour relâcher tes jambes. Très bien. Et puis prépare-toi pour notre dernière posture, Shavasana. Allonge-toi au sol, les pieds généreusement écartés, les bras allongés le long du corps, paume des mains ouverte vers le ciel. Trouve ta position. Fais les derniers mouvements et ajustements avant de trouver cette posture de quiétude, de calme. Reviens à ton inspire, expire par le nez. Sens l'air frais qui traverse tes narines à l'inspire. L'air chaud qui quitte ton corps à l'expire.
pose ton attention sur le contact de ton corps avec le sol. Et le contact du sol avec ton corps. Scanne ton corps de haut en bas et ressens tous tes membres en contact avec ton tapis. Imagine ton corps qui est lourd, totalement détendu, relâché, comme si chacune des parties de ton corps se fondait avec le tapis, avec le sol. Comme un château de sable qu'on a construit sur la plage et qui, avec l'arrivée de la prochaine grande vague, se défait et toutes les graines de sable de ce château reviennent avec tout le reste des autres graines de sable de la plage pour ne faire plus qu'un. Avec ton corps dans cette position, c'est la même chose. Imagine que tu ne fais plus qu'un avec la terre. Retrouve cette connexion que tu as eue tout au début, où tu as visualisé tes racines qui traversaient le sol jusqu'au centre de la terre. Et sens-toi ici aussi connecté, en sécurité, déposé ici et maintenant. Sur cette terre mère qui t'accueille, qui te protège, qui te nourrit, qui t'énergise, dans laquelle tu sais que tu peux à tout moment venir te décharger les surplus d'énergie, de stress, de tension, avec cette certitude qu'elle saura accueillir cette énergie, la recycler, la transformer dans de l'énergie positive. Et sache que tu peux toujours venir te charger à son contact, venir puiser pour recharger tes batteries, retrouver cet ancrage, cette stabilité, cette sécurité à n'importe quel instant quand tu sens qu'elle te manque ou que tu manques d'ancrage. Très bien. Et tout doucement, commence à bouger tes orteils, le bout des doigts. Reviens à ton corps, à ta matière, dessine des cercles avec tes chevilles, avec tes poignets. Étire-toi, viens chercher loin derrière la tête, grandis-toi au maximum grand, inspire, fléchis tes genoux et bascule sur le côté. Reste ici, côté, en position du fœtus, quelques instants, quelques dernières respirations, en contact avec le sol, avec la chaleur de ton corps, avec cette sensation que tout va bien et que tu es en sécurité ici et maintenant. Dernière inspire ici en bas. Et à la prochaine expire, viens te repousser. Trouve ta position assise de ton choix. Redresse ton dos. Et on va prendre les trois grandes dernières respirations ensemble pour clôturer cette pratique. À l'inspire, va chercher loin côté ciel. Expire, assemble tes mains et ramène-les jusqu'au cœur. Et puis bascule en dessinant cet axe de ton corps jusqu'au chakra racine et à la terre. Encore grand, inspire, grand cercle. Expire, cœur et chakra racine. Et dernière fois, grand inspire. Et à
à l'expire, garde tes mains au cœur, centre cette énergie et tous les bienfaits de ta pratique aujourd'hui. Incline-toi vers ton cœur, vers ton corps et remercie-toi pour cette belle pratique ressourçante qui t'a ancré, j'espère, redonné de la stabilité, de la sécurité. Merci pour ta présence ici aujourd'hui. Si cette pratique t'a plu, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à me laisser un like et un commentaire. Je te souhaite une très belle continuation et je te dis à très vite.